Mutokambali avec. Oui. Un combat équilibré. Je pense que Mutokambali ne va pas décevoir ses fans parce qu'il est en même temps docteur. C'est un monsieur qui soigne très bien. Mutokambali sera face à Chouchou le Sida. Je suis en train de vous présenter Mutokambali, l'homme de la guérison. Il est en train de voir, il parle avec les fanfares. Il attend effectivement son adversaire Sida Chouchou. Je suis en train de saluer les amis de la presse qui sont ici, Kubantembo héritier. Vous voyez également la danse de Mutokambali. Il danse, il exhibe quelques pas de danse pour faire plaisir à ses fans. Voilà, c'est la danse. Voilà, il s'appelle Mutokambali. Voilà, il est en train de danser. Mutokambali, mesdames et messieurs, en train d'exhiber quelques pas de danse. Et on attend l'arrivée de Chouchou Sida, champion de Mbujimayi, champion du Kasai. Mesdames et messieurs, voici Chouchou Sida. Chouchou Sida, champion de Mbujimayi. Avec sa jupette noire, il est avec ses coéquipiers, il y a Baby, il y a également Marteau, bien qu'Abishake, Chouchou Sida, mesdames et messieurs, qui est pratiquement un catcheur intemporel aussi parce qu'il a fait longtemps dans cette discipline. Chouchou qui vient d'abord d'observer Mutokambali. Mutokambali à l'arbitre Bamayo qui est en train de positionner chaque catcheur. Mutokambali sera placé de l'autre côté avec son coéquipier Big Boss. Chouchou Sida ici en train d'exhiber quelques pas d'élance avec ses amis ou encore ses coéquipiers. Tout commence par la danse. Chouchou Sida qui commence par danser. Avec beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration, mesdames et messieurs. Allez, Chouchou qui va se concentrer. Il faut d'abord beaucoup de concentration, beaucoup de cadence. Mutokambali aussi dans les rings qui continue à se concentrer aussi à sa manière. Oui, Mutokambali se concentre aussi à sa manière. Mais il est face à un morceau dur parce que l'homme de Bipemba, l'homme de Mbujimayi, il est beaucoup expérimenté en superstition. Mutokambali risque trop. Mais on voit parce que Chouchou, c'est vraiment un ancien. Il est venu pour gagner. C'est ce qu'il a dit. Il est champion du grand Kassai. Donc les deux Kassai anciens. Lui là, c'est le champion. Et c'est un monsieur très superstitieux. Il est venu pour ça, effectivement. Mutokambali qui ne puisse pas croire qu'il est face à ces malades. Hein. Si c'est Sida, hein, parce qu'il guérit le Sida, mais ça c'est vraiment le véritable Sida. Effectivement, Falmé, c'est le véritable Sida, Chouchou Sida, qui va s'introduire. Mutokambali n'est pas aussi un petit catcheur, c'est quelqu'un qui maîtrise mieux la situation. Il a fait longtemps aussi dans cette discipline. Allez, Big Boss qui recule un tout petit peu avec
avec un tissu à l'intérieur de ce tissu. On ne sait pas qu'est-ce qui est caché derrière ça. Alors, Big Boss qui va déposer ça sur le gazon synthétique du stade Kibasa Maliba. Chouchou, très concentré avec son coéquipier Baby Motokambali qui est en train de se concentrer sur sa manette. Voilà, le président Casimir suit attentivement ce combat avec son club Kazimoto de Kisanga. Beberico suit aussi ce combat. Il faut saluer aussi les catcheurs du club Mampala, Ultimatum, Papa Chéri, Morgue, Piton, Tende Kwababa. Là, Motokambali face à Chouchou le Sida. Le combat continue, c'est le tout dernier d'aujourd'hui. Le tout dernier combat d'aujourd'hui, Chouchou le Sida face à Motokambali. Voilà, une démonstration de Chouchou le Sida. Il veut faire tomber Motokambali. Parce que, Motokambali semble ne pas être expérimenté. Plus que Chouchou le Sida. Voilà, Motokambali a fait tomber sous Chouchou le Sida des Mbujimaï. Motokambali, c'est celui-là même qui est habillé en linge rouge. Il a pris ses effets. Il regarde Chouchou le Sida qui est habillé en noir. Chouchou, il est des Mbujimaï. Il faut saluer aussi les téléspectateurs des Mbujimaï. Les téléspectateurs des Bakwadianga, des Bipemba, des Bodin, Bodin 4, Bodin 3, Bodin 2, Claudine Kalala, Marley Kalala, Kelly Chamala, qui nous suivent à partir de Mbujimaï. Et là, vous êtes en train de voir Motokambali qui a cloué son adversaire Chouchou le Sida. Et ça se comptait au rythme de l'arbitre Bamayo. Voilà, Chouchou vient de se réveiller. Malgré ça, il est en train de tutuber un peu. Il chancelle. Il est en train de chanceler parce que il a reçu des coups magiques. Voilà, c'est Motokambali qui a récupéré encore un morceau d'habit rouge. Il veut appliquer cela sur Chouchou le Sida. Voilà, peut-être ça sera fini pour Chouchou le Sida de Mbujimaï, de Bipemba, là où on salue le champion de boxe de Mbujimaï, Sami Carlos, alias Kalonji Mufika, qui est bien sûr le petit Mukofia, comme on le dit, le Chouchou le Sida. Voilà, Chouchou le Sida face à Motokambali. Ouais, Motokambali, des armes pas enfalmées. Avec ses tissus, tout ça, il a soufflé sur Sida. Motokambali souffle sur Sida. Et qu'est-ce qui va se passer? Chouchou qui veut finaliser ses combats. Il veut finaliser ses combats. Motokambali n'a qu'un seul coéquipier, Big Boss. Chacun est en train d'évoquer à sa manière, Mfalme, Chouchou Sida déterminé. Donc c'est un combat 100% superstition. Un combat 100% superstition, parce que Motokambali va chercher à faire des exploits. Il est dans son quartier ici c'est chez lui. Chez lui, ce n'est pas loin d'ici. Voilà comment il va faire quelque chose pour faire plaisir à ses fans. Apparemment, il veut égorger un chat. Motokambali a toujours égorgé un chat, jusqu'à manger même un chat. Je l'ai déjà vu manger ça. Peut-être qu'il va le faire encore ici. Il va se concentrer avec un petit chat. Allez, il va égorger. Allez, malheureusement, c'est maîtrisé par Sida. Et Sida, Chouchou Sida qui a récupéré le petit chat. Allez, il va frotter la peau. Il va frotter la tête de Motokambali avec un chat égorgé. Motokambali, sa tête est frottée, tout son corps bien sûr avec le sang de ses pieds. Attention, le propre chat de Motokambali est en train d'être égorgé. Même il applique le sang du chat sur le corps de Motokambali. Regardez, mesdames et messieurs, comme un enfant, comme on lave un bébé.
Voilà, peut-être ça sera fini pour Muto Kambali. Une, deux, et là, trois, ça se compte. Il va égorger Muto Kambali. Il va peut-être faire le cannibalisme sur le ring. Une intervention chirurgicale, mais superstitieuse. Voilà. Effectivement, c'est ce que tu veux faire. 8 et 9, c'est la fin, mesdames et messieurs. Victoire! Victoire de Chouchou Sida confirmée par l'officiel Vinamo et aussi Apollo lui-même qui est à l'extérieur et sans oublier Bamayo qui est dans les rings. Chouchou a gagné ses combats. Merci à Fiston Chibassou qui était au cadrage. Moufalme nous a accompagné ce soir. Bienvenue Kamunga, c'est mon nom et mon prénom. Nous allons vous laisser suivre, mesdames et messieurs, la suite de ce show parce que là c'est Big Boss qui est convoqué par, qui est, on l'appelle, hein, Big Boss qui doit s'introduire dans les rings. Qu'est-ce que Chouchou va faire avec Big Boss? Peut-être un coup, peut-être un mouvement, peut-être frotter aussi sa peau avec du sang de ses petits chats, peut-être ça oui. Voilà ce qu'il a fait. Il va essayer de frotter. Il va frotter sa tête, bien sûr, avec les petits chats, Big Boss et K.O. Chouchou qui appelle quelqu'un d'autre qui va s'introduire dans les rings, mesdames et messieurs. Allez, qui va venir? Hier, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup d'agitation. C'est Jibik qui vient d'arriver. Jibik, le roi des manchettes, pour faire vient d'arriver. Oui, c'est le grand félin. Hein. C'est lui-même là qu'on appelle le patron de la frappe. Il s'est dit, bon, écoutez, je suis quand même dans mon fief là. Je ne peux pas laisser mes amis clouer sur le tatami comme ça. Bien que Chouchou est venu, il est venu avec sa superstition, mais je suis quand même... le plus expérimenté de cette province, parce que ce championnat ici ou cette organisation, c'est l'interprovincial. Voilà, un militaire des FARDC qui s'approche aussi. Hein. Deux militaires, pas un militaire, héritier qui vient de tomber d'ailleurs, sans oublier mercenaires. Molozi a décalé, Molozi est parti. Il y a Jibik qui est en train d'observer. Jibik qui est en train d'observer de l'autre côté. Qu'est-ce que Jibik va faire? Allez, Jibik. Allez, c'est Jibik qui doit s'introduire dans les rings. Qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs? Beaucoup de concentration. Jibik n'a pas de manchette. Est-ce qu'il en a? Il n'a pas de machette. Il n'a pas de machette. Il risque de se faire mal parce que Chouchou, le Sida, il est dans ses états. Voilà. On appelle Jibik petit à petit pour venir répondre à l'appel parce que Chouchou, le Sida, est en train de clouer les catcheurs de Lubumbashi un à un. Voici pour vous le grand félin, le technotacticien. Jibik, l'homme de la Katouba, l'homme qui s'entraîne, c'est lui même là le patron du club Odari. Il a encadré beaucoup de jeunes comme mon ami Pacifique, un garçon bien, un garçon très fort. Il entraîne également le catcheur. Plusieurs catcheurs comme Antilope. Il s'appelle Jibik, il a catché avec Postolo Wabaka, Feu Postolo Wabaka, il a catché avec le catcheur le Feu Kingombe Martin, Lac Force, il a catché avec Dingwe, il a catché avec Tchungundoki. Il a catché aussi avec Zarak. Zulu vient d'arriver avec la machette. Il vient d'arriver avec la machette. Ce sont les coéquipiers ou encore les élèves que Jibik a encadré. Jibik qui va s'introduire dans le ring avec sa machette. Tout se cache derrière la machette. On l'appelle d'ailleurs le roi des machettes. Lui m'a toujours donné des manchettes. Il se promène avec la machette, mais il donne des coups de manchette. Allez, c'est... Jibik, il va faire quoi? Il frappe d'abord. Il va frapper. Allez, personne. Muto Kambali, très ensanglanté. Mercenaire qui a quitté. Qui a quand même quitté. Il y a Muto Kambali qui est resté.
Jibik va frapper encore. Est-ce qu'il faut encore frapper? Toutou Sida face à Jibik. Moutokambali qui va sortir. Allez, Moutokambali est sorti. Vraiment KO, méconnaissable. Moutokambali est en perte de vitesse. Moutokambali qui est en train de se diriger. Qui est en train de partir. Il est en train de rentrer comme ça. Allez, Jibik est tombé. Jibik est tombé. Allez, Chouchou qui a arraché la machette. Chouchou qui a arraché la machette à Jibik, mesdames et messieurs. Chouchou, Jibik qui vient de retourner. Allez. Allez, Jibik qui a récupéré la machette. Allez, il frappe. Allez, qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs? Jibik est tombé. Il sort du ring, machette à la main. Et même tous les coéquipiers de Jibik sont tombés. Jibik avec tout son staff, Mfalme. Jibik est tombé avec tout le monde. Il est tombé avec tout le monde, avec tout son staff. Et ça fait du bien à tous les téléspectateurs qui suivent ce combat. Merci de nous avoir suivis. Merci à Arafat. Merci à William Skitoa, merci à Chris Zéou, merci à Josar Kabangou, merci à toutes les personnes qui ont suivi ce gars-là. Mwarabo également, mesdames et messieurs, c'est la fin, comme Femme l'a dit, c'est la fin. On veut quand même suivre les shows entre Mwarabo et Chouchou Sida.
Salut. Je suis là pour le Guinée.